Et voilà, bonjour à tous, à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc après 6 mois d'absence, c'est juste énorme. C'est juste presque ouais, c'est une demi-année. Alors c'est énorme, alors je m'en excuse énormément auprès de mes abonnés, donc ils sont 1800 et quelques actuellement. Alors la principale raison pourquoi je ne fais pas de vidéo, et ben c'est tout simple, c'est parce que j'avais pas envie. Voilà, j'avais la flemme, mais honnêtement pour moi Minecraft ça avance pas trop fort, c'est-à-dire qu'ils ont, enfin ils créent pas assez de nouveautés, voilà quoi. Faire pas mal de trucs, mais voilà. Ils ouvrent pas assez de limites à mon avis avec les mises à jour, c'est trop long, etc. Et après je me suis dit bah pourquoi pas, on va regarder les autres vidéos. J'ai vu qu'ils avaient inventé un nouveau type d'ascenseur, qu'il y avait un nouveau bloc qui est arrivé, le slime block. Donc du coup j'ai décidé de faire un nouvel ascenseur à slime block. Alors qu'est-ce que le slime block? Au fait le slime block, donc en fait il se craft en obtenant des slime balls, donc en butant des slimes. Alors donc tout simplement c'est super simple hein, c'est comme un cube normal, y a pas rien de compliqué, hop voilà, mes 9 trucs dans le craft et voilà c'est fini, ça fait un slime block. Et la propriété excellente du slime block, alors la première, alors c'est un petit truc plein après avoir. La grosse propriété donc du slime block que tout le monde connaît, c'est au fait de faire trampoline. Boohoo, boohoo, boohoo. Voilà, c'est énorme. Et en gros au fait, quand un piston nous propulse, donc par exemple des mots vite fait, hein, parce que what, ah bah je suis con, excusez-moi, je sais pas ce que je vais faire, pourquoi ça fonctionne pas. On se met là en face, on va poser le bloc ici, bim, et voilà. À la place de décaler d'un bloc, on décale de deux, donc en gros on rebondit contre le truc et on va un peu plus loin, on est projeté à la place d'éjecter, en gros voilà. Et ce qui est énorme, c'est qu'en fait le slime block, comme son nom indique, c'est un bloc collant, donc en fait il colle tous les blocs aux alentours dans un rayon de 12, car un piston peut pousser que 12 blocs forcément. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné quand j'ai alimenté le piston? Parce qu'en fait le slime block a voulu se coller à toute la surface en fait de la map, vu qu'il est en contact avec le bloc du sol. Et alors du coup comme il peut pas déplacer plus de 12 blocs, le piston ne peut pas déplacer plus de 12 blocs, et bah il peut pas pousser. Donc alors un petit exemple, donc je sais pas si vous avez reconnu le petit logo de Koh-Lanta vite fait. On active le piston et voilà. Des blocs là qui étaient rattachés au slime block se sont soulevés. Et quand on les active, voilà, ça fait juste un truc dégueulasse. Donc vous avez compris le truc vite fait, maintenant je vais vous montrer voilà l'ascenseur. Voilà, face à l'ascenseur, donc on va juste supprimer tout ça. Donc voilà, donc on est face à l'ascenseur, donc on rentre, donc soit on appuie sur le bouton 1, donc soit sur l'extérieur, c'est comme vous voulez, j'appuie là-dessus. Regardez, donc on monte. Magique, donc on monte grâce à des pistons collants, et une fois arrivé en haut on est poussé par des pistons, donc vous voyez qu'on a monté tout ça en très très peu de temps, donc on a monté une hauteur de fou quoi en très peu de temps. Et pour vous montrer l'efficacité du truc, car je sais que vous me demanderez ouais mais voilà quoi, c'est comme tous les ascenseurs, ça monte, mais voilà, voler en mode créatif c'est beaucoup mieux. Et ben je vais vous montrer le contraire. Prenez, parce que ça fonctionne aussi avec les PNJ ou les villageois comme vous préférez le dire. Donc, on enferme le villageois là dedans, bim, et en fait je vais appuyer, c'est pour ça que j'ai créé en fait un bouton extérieur ici, et au moment où j'appuie je vais activer le mode créatif, enfin je vais voler, attention, voilà c'est parti, et même le villageois est parti après moi, et regardez le villageois va plus vite que moi en montant, et je suis à fond hein, je suis à fond, donc voilà, donc lui aussi il est poussé et il va pas crever. Regardez, si je prends la descente de l'ascenseur, il arrive en bas sain et sauf, sans rebondir hein, vous avez pu remarquer. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne et je vais vous montrer le tutoriel après. Comment fonctionne cet ascenseur? Donc déjà savoir que l'ascenseur comprend le mode descente avec, donc je bouge pas ma souris, regardez la vitesse que je vais et bim, je suis arrêté automatiquement, vous montrer, on est ralenti. Alors vous avez pu voir comment, en fait on est ralenti par des lianes. Vous mettez deux lianes, ça fonctionne pas du tout, en fait il faut en mettre trois obligatoirement. En fait 3 liens ça vous ralentit, ce qui permet au fait de d'activer au fait assez doucement en fait ce tripwire qui va activer un piston juste au dessus de notre tête pardon, et donc du coup qui va nous empêcher de rebondir grâce au slime block. Donc je vais vous montrer ce que ça ferait donc sans ça. Je vais enlever les liens, je vais ramener sur... allez juste de rebondir de cette hauteur là, on va aller tout en haut, on y est. Voilà, regardez le temps qu'il faudrait hein. Voilà,
On rebondit. On rebondit. Voilà, et là on pourrait sortir. Alors oui, vous allez me dire, mais t'es con, pourquoi tu mets pas tout simplement tu fais pas shift espace machin. Oui, sauf que le problème en fait c'est que comment expliquer, j'ai envie que l'ascenseur soit le plus automatique possible, et ça je trouve ça juste excellent en fait, qu'on a même pas besoin d'appuyer sur aucune touche pour descendre, parce que c'est overcon. On appuie juste, oula merde, j'ai tout décalé là, oula. On va mettre ça ici comme ça, un petit four. Non, c'était un petit citrouille que j'avais mis. Ok, les citrouilles, voilà. Bim. Et je mets ça, non je vais mettre comme ça, voilà. Donc comment ça fonctionne, donc à l'extérieur de l'ascenseur, attention je tourne, et voilà, donc on peut remarquer qu'il est extrêmement compact en fait. Enfin compact, ce que je veux dire par là c'est qu'il y a, plus compact que ça hein, c'est sûr. J'ai même vu des ascenseurs anglophones dans lesquels ils mettent carrément en fait une comment ça s'appelle, c'est super bien foutu, ils mettent une comment expliquer, une, je sais plus comment ça s'appelle, là j'ai une pressure plate en fait sur le coin, et en gros en fait on rebondit sur un petit espace, et à chaque fois qu'on rebondit on active la pressure plate qui va activer le prochain piston, etc, et on rebondit. Alors ça c'est cool, mais le problème c'est que je trouve ça c'est un ascenseur d'extérieur quoi, c'est j'aime pas trop avec les pressure plate, je préfère que tout soit automatique et synchronisé. Donc alors vite fait des explications, on appuie sur le bouton, ça active le piston d'en bas, donc il va activer avec un certain délai notre piston pour être propulsé lors de la première impulsion en haut, qui va activer ensuite notre redstone et va attirer l'énorme ascenseur à torche de redstone, qui va activer le premier piston, le deuxième, le troisième, etc. Ta, jusqu'à monter tout en haut, et nous on est enfermé dans ce petit espace tout en haut. Alors une petite note, pourquoi les citrouilles du côté, alors pour ceux qui ne le savent pas, les citrouilles est un bloc, la citrouille est un bloc non poussable par les pistons. Alors quelque chose d'assez fun, alors je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas, c'est moi qui dis de la merde, mais je vais vous montrer quand même. Alors une citrouille, je disais tout à l'heure, c'est un bloc non enfin qui peut pas être poussé. Je vais montrer comme ça. Je crois que c'est la propriété de la citrouille, hein, je suis pas sûr de ce que... enfin bref. J'active le piston, vous voyez, oups, j'active le... merde, j'active le... oui, pardon. gros fail, en fait, c'est qu'il peut pas être... il peut pas être déplacé par par un slime block, je veux dire, voilà, c'est plutôt ça. Parce que, ici, dans le cas présent, en fait, oui, non, j'ai rien dit. J'ai dit la merde, ça fait rien. Donc, oui, je vais vous montrer le tutoriel, à tout de suite. Donc, j'ai mes ascenseurs qui sont juste à côté, je vais vous montrer comment on va faire. Pour ce magnifique ascenseur à piston, donc comme je vous l'ai dit, donc vous aurez un petit bonus à la fin de la vidéo en fait, hein, une petite note. Donc comme je vous l'ai dit au fait que cet ascenseur donc est super pratique. Donc dans la tuto en fait je ne ferai pas la déco, donc le tour de l'ascenseur en fait, ce sera à vous de décorer comme vous voudrez. Hein. Je montrerai juste les particularités qu'il faut faire, enfin les petites astuces en gros. Donc ce que vous faites une plateforme de 3x3 et vous mettez un piston collant avec un slime block au milieu de ce slime block, en fait ça va être votre base, et donc c'est là oui, donc parce qu'il faut ça, donc je vais juste prendre un petit coffre histoire de hop, on s'en fout, histoire de ranger tout ça, voilà, on va ranger le coffre et bim, voilà, on va prendre des fours. Donc des fours, pourquoi un four, parce que c'est aussi un bloc qui fait partie au fait des blocs non poussables par les pistons, parce qu'en fait si vous mettez des blocs normaux, alors ça fait beaucoup plus beau, mais le problème c'est que quand on va activer, alors je vais juste reprendre ça, slime block je pense pas qu'on en aura besoin encore, on va juste prendre les tripwire, voilà, quand on va réactiver au fait le piston, vous voyez, comme le slime block en fait ils vont pousser les blocs du côté, ça va foirer tout votre système. Donc voilà, tac tac, donc on pose des fours aux extrémités, donc ce qui touche le piston, enfin le slime block, donc comme ceci, hop, on pose les blocs normaux. Donc à partir d'ici, donc il faut reposer aussi des fours des côtés, parce qu'en fait le slime block va pas faire que je sais pas qu'ici, parce qu'en montant en fait il va accrocher aussi au bloc supérieur. Donc on a une petite plateforme comme ça, donc on crée une petite plateforme là, voilà, tac tac tac, et maintenant nous allons créer le bouton, alors le lancement on va dire. Alors ce qui est fabuleux c'est que
c'est franchement, dans cet ascenseur, c'est un pattern en fait qui se répète. Et le pattern est super simple à répéter. Et ça, je trouve ça énorme. Alors, on va poser juste un bouton. Carrément, c'est ce que j'ai fait dans l'autre. Poser une redstone carrément en fait en dessous du bouton, ce qui nous permet d'économiser en fait un de place et donc du coup de raccourcir en fait notre prochaine en fait cette énorme longueur de truc là, enfin de torche redstone d'un cran. Donc lui c'est négligeable, lui c'est on peut faire 100, c'est-à-dire la méthode que j'ai fait avant, mais bon, autant économiser de la place. Hein. Pour ces repeaters, donc je ne sais pas quel cran il faut les mettre, alors je vais vérifier tout, je ne sais pas du tout, excusez-moi pour les petits. J'attends là, 1 et à fond, ok. Alors ça c'est très important, sans quoi tout votre ascenseur va être couru. Donc 1, voilà, donc 1 à fond et 1 au premier tic, désolé le lag. Et c'est là en fait, après on va poser une petite poudre, et là donc on va faire ce petit pattern. Donc en fait, on fait une diagonale comme ça, et on, après on va se répéter continuellement. Alors on fait ça jusqu'à la hauteur maximale que l'on veut faire l'ascenseur, donc vous voulez faire super haut, autant bon courage hein, pour monter tout en haut à la limite, hein, c'est très long à faire, mais une fois que ce sera fait, bah voilà. Je vois pas quoi ça vous servira, mais bon. donc vous montez comme ceci. Donc petite ellipse, je monte jusqu'en haut. Voilà, donc j'ai fini de monter ma petite tour, donc elle est pas hyper haute, mais c'est juste pour le tutoriel, hein, je vais pas faire non plus un truc de 3 km de haut. Alors par la suite on va poser donc des torches de redstone, donc on place une torche ici. Et en fait pourquoi l'ascenseur comme ça et non pas le petit ascenseur classique à torche, bah c'est tout simple, c'est que en fait, comment expliquer, là c'est une fois sur deux, en fait on aura une torche allumée mais une fois sur deux, alors que là on aura comment expliquer, tout le côté gauche sera ouais voilà c'est ça, tout le côté gauche en fait sera éteint, tout le côté droit sera allumé dans le cas où l'ascenseur n'est pas activé, alors qu'ici en fait une fois on tombera sur la torche allumée et une fois sur la torche éteinte, donc ça va être un peu galère à manipuler ce bordel. Donc c'est pour ça que j'ai préféré cette version, et en plus le timing correspond parfaitement. Donc on remplit deux torches, alors ça c'est extrêmement chiant. C'est le seul truc coûteux en ressources en fait dans l'ascenseur. Sinon le reste, bah franchement ma foi, c'est pas très coûteux. J'ai essayé d'utiliser le moins de pistons possible, enfin le moins d'optimiser le plus l'ascenseur. Car en fait j'ai vu des vidéos donc d'anglais parce que c'est un peu informé avant, donc j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de tutos français, alors je me suis permis d'en faire. Alors c'est très simple. En fait les anglais, donc je vous ai dit en fait ils mettent en fait des plaques de pression et on monte en diagonale comme ça à chaque piston. Ou soit j'en ai vu carrément en fait qui faisaient un. Bon ça c'est vraiment les professionnels, ça j'arriverai pas à reproduire, qui font carrément. En sorte que ça soit carrément une plateforme qui est poussée par un piston, et en gros ça fait une plateforme de 3x3 et on monte comme ça, mais c'est juste hallucinant ça, et ça a une cloque derrière ultra rapide, et je pense que ça cause pas mal de lag. Et en outre cet ascenseur franchement il est super économe. Donc voilà, alors maintenant comment faire, alors c'est là où ça va être important, donc ça suivez bien cette partie là car sans cette partie là en fait, si vous précipitez sur l'ascenseur en le faisant, bah ça va tout foirer si vous écoutez pas ça. Entre chaque piston collant il nous faut 5 d'écart, alors notez bien 5 d'écart. Donc je vais vous montrer, hop, histoire de pas faire le con, hein, pas me dire après dans les commentaires, ah mais non, je savais pas. Donc à partir du comment dire, du piston collant, enfin du slime block, je vois, putain, slime block, on compte 1, donc 2, 3, 4, et au fait c'est le cinquième qui sera notre piston comme ceci à la verticale. Ce sera notre cinquième. Alors ça, c'est bien à retenir. Donc on est calme. Hein. Voilà. Hop, comme ceci. Bim, on pose un piston. Donc voilà. Donc pour l'instant, vous faites que ça. Donc vous montez tout en haut. Donc vous vous décalez de 5, 3, 4 et 5. Comme ceci, vers le haut. Donc on coupe plus 1 parce qu'il y a le slime block. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et voilà. Donc on peut déjà poser les slime blocks, donc on casse tous les blocs violets, c'était pour juste pour leur faire, je veux dire. Hop. Pour l'instant, j'espère que vous suivez. Donc on a un écart comme ça, donc on voit les pistons en l'air. J'ai fini la rangée. Donc alors veillez bien que ce soit 2 d'écart entre les pistons et les torches. Donc histoire de poser deux blocs, c'est très très important. Donc voilà, poser des blocs comme ceci en face. Donc normalement il doit
avoir une torche éteinte à chaque fois, sinon vous avez fait une couille quoi. Et en fait vous posez un repeater, donc un repeater vous le mettez à un tick, donc je préfère le mettre à l'avant-dernier parce que ça laggera moins avec la vidéo, mais théoriquement la vitesse maximale de l'ascenseur, vous pouvez en fait placer le repeater à un seul tick. Hop, donc on fait ça, oups, pour tout, et voilà. Et après en fait pour alimenter ceci, voilà, on va poser un petit bloc qu'on va relier comme ceci. Et on va juste relier tout ça avec des poutres de redstone. Et voilà. Ça fonctionne plus ou moins. Donc on va juste... Putain, merde. Possible quoi, attendez. Parce que je suis éjecté du côté. J'ai essayé de mettre des blocs. Parce qu'en gros, on est éjecté du côté. Mais si on met des blocs, en fait, ça... On peut pas être éjecté, en gros. Voilà. Donc on va monter, en gros. Je vais essayer de faire la manière la plus économique. Parce qu'à la base... on devrait mettre 3 blocs, uniquement un bloc en dessous. Et si en fait on monte à 4 blocs, il faut absolument des blocs comme ça. On pourra pas laisser l'ascenseur dans le vide. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, qu'on va monter, on va être à cette hauteur-là. Et quand le piston donc va s'étendre, en fait, on va traverser un peu le piston. Et c'est le bloc qui va nous soulever, en gros. Donc ça permet d'économiser un tout petit peu. Économiser plus que ça au niveau des pistons. Je parle d'écart entre chaque piston. C'est pas possible quoi, on peut pas faire moins, c'est totalement impossible. Donc on fait ça pour tout, donc à mon avis à partir de là je vais mettre un petit accéléré. Voilà, donc on se retrouve. Donc après le petit accéléré. Alors j'espère que la musique vous aura plu. Donc on est comme ça, donc on se retrouve donc avec chaque four. Et normalement l'ascenseur fonctionne. Donc là, l'ascenseur fonctionne nickel chrome. Alors on va le tester. Hein. Pas que je vous dise de merde. Alors. Voilà. Et on est propulsé à chaque fois en haut. Oui, sauf pour le dernier, où j'ai fait une couille. Comme à l'habitude. C'est pénible. Donc voilà, comme si j'ai juste mis les fours à la mauvaise hauteur. Et là on est propulsé. Alors maintenant, comment faire le système pour descendre? Parce que là, voilà, sans toucher, je ne touche absolument pas le clavier. Je rebondis. Parce que, en fait, la petite astuce à faire, en cas où si on veut pas rajouter la petite dernière partie, donc franchement, qui coûte que dalle en redstone, donc je vous conseille de la mettre. En fait, l'astuce c'est d'appuyer sur espace et shift. Alors, parce que, pourquoi si on n'appuierait pas directement sur shift? Parce que si on est en survival, on crève. Alors, les dégâts de chute comptent. Donc on doit appuyer sur espace pour rebondir en haut et shift. Alors voilà, en même temps, et après on sort de l'ascenseur tranquillement. Alors oui, c'est bien. Oui, alors à ce moment-là, on n'a pas besoin d'installer un système en plus. Mais bon, je préfère quand c'est tout automatique. Donc on va installer tout ça maintenant. Pour ça qu'il faut des tripwires. Ok, j'ai reçu un petit message Facebook, normal. Hop, bim bim. Hop, on fait ça ici. Et voilà donc. On va mettre tripwire. Ah, je sais pas, je vais dire ça, bloc rouge. Putain, c'est pas possible. Hein. Voilà, je prévois tout à chaque fois parce que la map désert c'est juste dégueulasse. Sinon je coupe des 5 secondes le temps. Alors, si je me souviens bien, je crois que c'était comme ça. Alors attendez, il faut que je me souvienne. Parce que je ne sais plus à quelle hauteur c'est. Alors ça c'est important. Alors déjà c'est sûr que le piston va à la place de ce bloc qui est rouge. Parce que placer un piston normal hein, juste au-dessus de votre tête en gros. Comme ça pour qu'il vous bloque. Oui, c'est ça, c'est bon. Et le tripwire, il est là. Voilà, hop. Et comme ça. Non, si c'est bien comme ça. Alors, on va poser un petit tripwire, une petite corde, on écarte, et un tripwire. Alors, pourquoi pas mettre, en fait, le bloc ici, et mettre le tripwire là. Le tripwire ici, enfin ça ici quoi. Parce qu'en fait sinon ça va directement activer le piston et il nous faut un délai. Alors pourquoi? Parce que je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer ça. Je vais faire l'erreur à la con que tout le monde fait. Voilà.
Si on saute de haut, je vais montrer en fait pourquoi utilise la petite astuce pour descendre après. On saute de haut, voilà. On touche d'abord le tripwire, on est ensuite bloqué par le piston et on crève quoi. C'est, ça sert strictement à rien. Donc c'est pour ça qu'on décale d'un. Alors oui, ça va faire un peu moche, mais c'est nécessaire. Alors comme je le répète, c'est pas obligatoire, hein. C'est vous qui voyez pour le faire. Alors ensuite, donc on va faire vite fait un petit truc à torche là, voilà. Et on va non, pardon, on va créer ça du côté plutôt. C'est plus c'est mieux. Voilà. On pose une petite torche. Voilà, comme ça on relie directement avec du délai. Le délai, je ne sais pas, donc je vais vous le montrer tout de suite après. Mais en gros, notre système pour descendre est presque fini et notre ascenseur également. Donc on se retrouve à tout de suite. Je mets en place la fin. À tout de suite. Ah, donc on se retrouve. Donc finalement, il y a, en fait, il n'y a pas de délai. Vous n'avez rien à toucher à ce récupteur. Juste un tic, quoi. Donc et voilà. Donc c'est presque fini. Alors il nous manque juste plus que le système là-haut d'arrivage et la petite astuce. Alors la petite astuce consiste en quoi? C'est de mettre des lianes. Alors des lianes. Pourquoi des lianes? Tout simplement pour ralentir notre chute. Alors je vais vous montrer ce que ça fait d'une hauteur, allez, coupe gentille, hein, on va dire même pas du premier étage. Donc regardez. Oui, évidemment, comme d'habitude, il faut des blocs du côté 1. Sinon, comme je disais, ça fonctionne pas. Ok, oui, non. Excusez-moi. Ici, il faut du verre. Pourquoi? Parce que les tripwires peuvent pas être... Enfin, le fil peut pas être sur quelque chose d'autre que du verre. Alors, si j'arrive à utiliser ça, voilà, c'est bon, ça fonctionne. Enfin, autre que des blocs transparents, je veux dire. Donc là, évidemment, voilà. J'ai tombé d'une petite hauteur, donc vraiment d'une hauteur infime, regardez. Voilà, ça fonctionne. Cool, vous vous dites ça fonctionne. Alors, j'ai monté tout en haut, vous vous dites ça va faire la même chose. Alors, on va tester, regardez bien ce que ça va faire. Mais bon, évidemment, là, comme par hasard, en vidéo, ça le fait. On va tomber d'une hauteur plus haute, parce qu'en général, l'ascenseur, on le fait quand même plus haut. Alors, j'ai enlevé ce bloc. On se situe ici, voilà, j'ai monté. Après, voilà, du moteur ici. Bon. Alors, regardez bien. Bref, c'est totalement bizarre que ça fonctionne, parce que normalement ça fonctionne pas. En tout cas, pour pas qu'il y ait de problème. Normalement, quand on tombe d'une hauteur extrêmement haute, en fait, comment dire, le tripwire s'active, mais s'active plus tard, en fait, tellement, enfin, le joueur va tellement vite qu'en fait, le tripwire s'active, mais après, en fait. Le tripwire s'active pas assez rapidement par rapport à notre chute, donc c'est pour ça qu'il faut absolument ralentir notre chute avant. Donc ça c'est obligatoire, hein. C'est même pas nécessaire, c'est obligatoire. Il vous faut impérativement ces trois lianes là. Alors pourquoi pas mettre des panneaux ici, vous me dites, ou pour éviter que ça pousse, etc. Ça poussera pas, parce que tout simplement à chaque fois que vous allez activer l'ascenseur, au cas où s'il y a une liane qui pousse ici, voilà, bon, ce qui est presque impossible, le piston simplement quand, voilà, non, là, de toute façon vous ferez la déco, il n'y a pas de liane qui pourra pousser le côté 1, hein. Le piston en fait va la détruire à chaque fois. Pareil ici, hein, quand le slime block va monter, ici la liane là va être détruite. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait notre descente est ralentie. Bim. Oui. Petite erreur. Notre descente est ralentie. Voilà. Et en plus, vous voyez, il fait tout le temps lui, c'est juste abusé. Voilà. Notre descente est ralentie. Et en plus. Ce qui est énorme, c'est que pendant la montée, les lianes n'affectent absolument pas le joueur. Totalement vide, je pense, l'ascenseur. Voilà. Les lianes n'affectent absolument pas le joueur. Voilà. Et quand on se laisse tomber, bim, on est arrêté. C'est juste magique. Alors, je vais vous montrer quand Game Mode 0, ça fonctionne en survival, quoi. Pas que je vous dise de la merde, hein. Hop, voilà. Alors. Si l'ascenseur devrait fonctionner. Donc vous pouvez voir, j'ai mis que des blocs de verre, etc. Des blocs de. Enfin des fours à chaque endroit pour éviter les problèmes. Et cette fois-ci, ça fonctionne. Démonstration. Ah, il a failli que ça aussi, c'est pas aussi. Ils se foutent de ma gueule là. Ils se foutent de ma gueule. Attendez. C'est pas possible, ils se foutent de ma gueule. Alors je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Alors ça, attendez. Mais pourquoi? Putain, je suis con.
Putain, je suis con. Voilà, cette fois-ci, ça fonctionne. Voilà. Voilà, vous montrer que ça fonctionne bien. Voilà, on monte, bim. Et voilà, c'est magnifique. L'ascenseur fonctionne super bien. Alors, game mode 0, bim. J'active le bouton. Et le bouton. Bien sûr, évidemment, ça fonctionne pas quand j'active en mode 0. Mais ça fonctionne à la deuxième fois, parce qu'on est chanceux. Et après, bim, on est ralenti. Et voilà. Alors, on pouvait mettre une petite musique, hein. C'est doundi, doundi, dès qu'on est arrivé, etc. Des trucs sympas. En gros, le gros du gros de l'ascenseur est fait. Il nous manque plus que, en fait la partie finale. Donc alors la partie finale, comment en faire? C'est ultra simple. C'est même pas, franchement, même ceux qui débutent en Hudson pourront le faire. Alors j'ai vu en fait maintenant qu'ils ont sorti carrément un bouquin sur Hudson, mais un vrai bouquin, un bouquin en librairie quoi. Mais c'est, c'est bien, mais voilà, c'est un peu du foutage de gueule parce qu'on trouve tout sur internet aujourd'hui. Alors vraiment, je me demande quel pigeon qui va acheter le truc en librairie. En fait, c'est surtout que ça fait un peu pitié quoi, d'avoir le petit bouquin Redstone là dans, au coin de l'armoire. Voilà, c'est pas méchant ce que je dis, hein, bien évidemment, mais c'est juste que c'est overcome parce que à la base le jeu est sorti sur PC et tout le monde en gros voilà. Je sais pas ce que je voulais dire. Ouais, tout le monde s'est servi en fait du tuto sur PC. Il y a des milliards de tutos qui ont été faits sur la Redstone. Et franchement, j'en suis servi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, la Redstone, je l'ai apprise grâce à... Si je peux commencer... Arnaud 00. Voilà. C'est ça. Alors, hop. Arnaud 00. Donc, c'est un très ancien gars sur Minecraft. Alors, franchement, à la base, c'était le numéro 1. C'était un peu comme Fanta, quoi, maintenant, aujourd'hui. Et ben voilà quoi, et franchement grâce à lui j'ai tout appris, j'ai tout compris, j'étais... Voilà, j'ai pu vous sortir... C'est grâce à lui en fait que je peux vous sortir d'un système pareil quoi, sinon je peux pas, donc on met un T quoi là. Sinon je comprendrai rien à rien aujourd'hui encore à la Redstone. Et voilà, l'ascenseur est fini. J'espère que ce tuto vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors je ne sais pas quand ma prochaine vidéo sortira, selon mon envie, donc peut-être la vidéo dans 3 ans. Non, je déconne. J'essaierai d'en faire quand même plus souvent parce que là, c'est vrai que j'ai eu un très très long dans mois d'absence. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à partager, à tout ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et sur ce, ciao.